Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour jouer au Grand Prix de Belgique sur le jeu Fin Challenge. Grand Prix Challenge, pardon. Et on va se retrouver du coup pour la qualification pour le magnifique circuit de Spa-Francorchamps. Alors, au niveau des réglages, on va baisser un peu les appuis, on va mettre un ratio normal, sachant qu'il y a des grosses lignes droites, et aussi des virages un peu serrés, donc on va faire un peu les deux. Je tente quand même à mettre une voie de vitesse peut-être plus rapide. Peut-être qu'on va peut-être baisser un poil l'appui. Et on va sortir des stands. Donc après une victoire loupée de très peu, on s'attelle maintenant au circuit de Spa-Francorchamps, donc c'est parti. J'ai pas trop fait attention à la météo, mais apparemment il va pas faire beau forcément tout le temps. On va voir. Donc la montée de l'eau rouge. Et je me souviens que ce circuit, c'est une des premières fois où j'ai vu des vidéos de ce jeu en fait. Et c'était sous la pluie justement, avec quelqu'un qui montrait le jeu hein, avec une Minardi. Sous la pluie. Et c'est là où je me suis dit, mais il est énorme en fait comme jeu. Et bon, après c'est pas forcément le plus réaliste, mais en tout cas il était super, super entraînant. Ça passe à fond. Il m'a fait baisser un peu de long. Alors, c'est encore l'ancienne version voilà, avec la chicane. Bon, attention, attention. Ouf. Bon, les vibreurs là, ça va encore être un danger, je pense. Allez, premier tour chronométré. Une 46 à battre. Ah, le mur. Eh non. Mon premier deuxième secteur un peu loupé là. Alors il y a du gravier hein, sur le côté. Ouh, j'ai complètement raté et voilà. Je savais bien que j'avais loupé mon freinage. Et du coup tout est à recommencer. J'ai freiné beaucoup trop tard hein, pour arriver dans la dernière chicane. Bon, je suis en avance dans le premier secteur.
Ouais, on est largement devant. Hein. 2 secondes d'avance déjà. Yak en qualification s'effondre pas mal, hein, je trouve, par rapport à la course. Heureusement que c'est pas l'inverse, hein. Ça aurait été pire. Et donc le tour est fini. On va du coup rentrer au stand et faire une fin de session. Et donc ça s'est rapproché un peu, hein. Schumacher du coup qui est à 1 seconde 3. Barrichello 3ème, Graf Schumacher 4. Juan Pablo Montoya 5, Kevin Coulthard 6, Trulli 7. Button, Raikkonen, Felipe Massa, Mika Salo, Nick Heidfeld, Jack Villeneuve. Sato, Fisichella, Alan McNish, Julien Panis, Ensar Alprenzen, Eddie Irvine, Pedro da Rosa, Mark Webber et Alex Jung. Et ben c'est parti. Et vous pouvez voir que le warm-up, la course, il va pleuvoir. Alors vu qu'il va pleuvoir, vous savez déjà ce qui va se passer. Je vous retrouve juste après le temps de faire un petit réglage. Et donc le gros choix à faire, hein. Est-ce qu'on va prendre des pneus pluie, les intermédiaires ou des tendres? À la fin on s'est fait avoir, hein, avec les intermédiaires concrètement. Donc on va partir en pluie, ça va être la grosse drache. On verra ce que ça donne au fur et à mesure de la course. Donc c'est parti pour le Grand Prix de Belgique, on part en pneus pluie. J'ai pas trop vu l'IA, hein, quel pneu elle utilisait, c'est difficile à voir. J'ai l'impression que... c'est pareil, hein. Ils sont en pluie. Un bon départ de bah oui, Schumacher évidemment, ça c'était à prévoir. Ouh, ça freine. Et il a pris le meilleur dès le début. Oh mon dieu, comme ils sont trop rapides derrière. Oh y'a, ça glisse. Et je me fais doubler par tout le monde. Je prends l'inspiration sur la Williams. Attention au point de freinage, hein, bien sûr. Et la Ferrari qui essaie de passer à l'intérieur et qui passe. On aura donc droit à un Grand Prix pluvieux. Et j'ai perdu 3 places, hein, sur ce premier tour. Enfin, sur cette moitié de premier tour. Attention aux vibreurs. Hein. Ouh, les vibreurs sur la pluie, c'est compliqué. En pluie aussi, hein, je dirais pas que moi, normalement qu'ils devraient être en pluie. J'espère qu'ils sont pas intermédiaires. Normalement, ils sont pas intermédiaires. On verra si ça s'assèche ou pas. Oh, mais il réaccélère, mais tellement vite, regardez-moi ça. À l'extérieur, il va dans le freinage, attention. Ouais, c'est bon. Le freinage, ça passe. Attention là. Oh, j'ai coupé légèrement. J'ai essayé d'éviter les vibreurs, hein. Du coup, je suis allé tout droit. Oh là 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 là, c'est compliqué. Et voilà. On va essayer de reprendre l'aspiration un petit peu sur les. Sur les pilotes derrière. Devant nous, pardon. Oh, j'ai aucune vitesse. Ça va revenir très vite derrière, je pense. Oh, la McLaren. Ah non, c'est Williams. Je suis resté au milieu au cas où. Oh, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Bon. Il a arrêté de pleuvoir et du coup. Et du coup, on va être encore plus dans la mouise parce que du coup. Il n'y a pas de. Bah, j'ai pas d'intermédiaire, hein, complètement, donc on va être aussi lent qu'eux. La partie du circuit a l'air un peu mouillée. Oh là, je tire tout droit. Impossible dans le virage. J'ai même pas l'avantage de me dire que je peux être en intermédiaire et je peux rattraper mon retard ici.
C'est vraiment impossible. Et vous voyez les pneus qui tiennent pas. C'est l'effondrement là, je sais pas qu'on veut faire. Oh la chicane! Et voilà, on est parti à la faute. Oh, j'ai tellement envie de rentrer au stand. J'aurais peut-être dû rentrer au stand d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est le. Je sais pas si j'ai fait une erreur de rentrer au stand ou pas. Il a l'air de faire super beau maintenant. Ouh, devant! Ouh, la Jordan qui est partie à la faute! Oh, ça fait être un carton. Regardez l'IA comme le revient, mais c'est impressionnant. Pourtant, j'ai baissé les ailerons hein, un tout petit peu. Heureusement que j'ai pas laissé les ailerons au minimum, au maximum. Le problème, c'est que je sens que le temps va repartir en pluie. Là, il fait beau, mais je pense que ça va être très temporaire. Même sans aspiration, toutes les voitures sont plus rapides que moi. C'est un peu bizarre quand même, j'ai un peu du mal à comprendre. Parce que bon, j'aurais pas les bonnes gommes. Voilà, j'aurais pas les bonnes gommes. Voilà, je me suis roulé dessus par Binardi. J'aurais pas les bonnes gommes, je comprendrais. Mais non, tous les mêmes gommes. Et ça part à la faute. Bon, on va s'arrêter au stand, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Regardez là. Regardez la différence quoi. Est-ce qu'il va pleuvoir, pas pleuvoir, ça va se recouvrir j'ai l'impression. Non, je vais pas m'arrêter. Je vais pas m'arrêter parce qu'il va repleuvoir. Regarde le temps qui s'est encore détérioré. Je me suis arrêté au tour juste avant, c'était parfait, là ça marchera pas. Malheureusement pour moi, je pense que j'ai aucune. Il n'y a pas de miracle là, sur cette course. Ouais, il repleut. Alors, est-ce que j'aurais dû prendre les intermédiaires, du coup? J'ai peut-être... Ouais, alors, des même comme ça, j'aurais peut-être pas dû... Mais, ouais, les intermédiaires, ça va peut-être passer. Oh, je n'arrive pas à être sur la partie... sur la bonne partie. Regardez le leader, combien d'avance il a sur le tracé. Bah écoutez, on va mettre les intermédiaires, hein. J'ai pas d'autre solution. Il reste combien? Il reste 5 tours. Oh là là, mais... comment je vais pouvoir rattraper ça? Je n'arrive même pas à tenir en ligne droite en fait, c'est impressionnant. On va rentrer au stand. On va changer, on va passer en intermédiaire, de toute façon j'ai pas le choix. Alors peut-être qu'il fallait prendre les intermédiaires, hein. Possible. On va voir, mais c'est trop tard là, j'ai vraiment perdu tellement de temps que ça n'a aucun intérêt de. L'arrêt au stand est où? L'arrêt au stand est où? Et voilà, je suis parti à la faute. Je pensais que c'était tout droit, moi.
j'aurais même dû partir en slick, hein, de toute façon pour où on était. Là j'aurais été en slick, c'était parfait, je pense que je serais allé beaucoup plus vite. Je dois avoir un bon 30 secondes de retard. Beaucoup plus stable qu'avec les pluies, hein, ça c'est sûr. Même si là, on aurait pu être sur du sec. 36 secondes sur Panis. Okay. On va voir, hein, si on revient sur lui ou pas. Surtout à quelle vitesse. Si on revient absolument pas dessus, bah c'est que c'est mort. 36 secondes, on revient pas du tout, du tout. Ouais, en fait je suis juste équivalent à leur temps hein, grâce aux intermédiaires. Mais bon. Non non mais là c'est fichu, hein. De toute façon la course est morte là. J'ai aucune chance de remonter. En plus rien ne dit qu'il va pas pleuvoir à la fin. Ah, effectivement il y a le voile bleu hein, que vous voyez devant, mais bon ça c'est parce que j'ai fait un réglage pour pas avoir de problème graphique. Du coup, on est obligé de se contenter de ça. En 5 secondes, je reprends une seconde, incroyable. Alors c'est Barrichello en tête, en deuxième qui c'est, Michael Schumacher, et deux Ferrari. Troisième Ralph. Regarde le saut que ça fait à chaque fois. Et ouais, du coup je perds toute la vitesse. Oh, il fait tellement beau sur le circuit. Oh, j'aurais tellement dû partir en slick en fait. J'aurais galéré peut-être un ou deux tours, mais après c'était fait quoi. Enfin, du coup, on s'est encore fait avoir. On s'était moins fait avoir à Imola par exemple. Mais les deux dernières courses sous la pluie, c'était pas trop ça. Allez, est-ce que je tente de m'arrêter? Est-ce que je tente de 36 secondes ça? Est-ce que je tente de mettre les slicks juste pour rigoler? On va voir.
dont on n'a rien à perdre l'année dernière. D'ailleurs que je vais prendre les six qui va pleuvoir. Vous y attendez à ça ou pas? Vous allez voir. Allez, c'est parti. On enchaîne les slicks. Ouais, j'ai mis tellement de temps à choisir. Allez, c'est parti. Alors 54 secondes sur Orvine, on va voir ce que ça peut faire sur un tour. Je vois pas ici évidemment. Sans Franzen, ouais, j'ai l'impression que ça change rien. N'importe les gommes. Ah, Ralph Schumacher deuxième. Attendez, 50. Pas 5 secondes de mieux, ça? Trop tard, reste de tour, mais c'est quand même beaucoup mieux là. Secondes. Non, c'est pas possible. Oui, il est sorti de la piste, Franzen, comme équipier du coup. Alors... C'est pas que en tête devant Ralph Schumacher maintenant. Dans les secteurs, je suis un peu moins rapide. Du coup, les deux Arrows qui ont fini la dernière et avant-dernière. Même si, bon, dans la vraie vie, en 2002, elle avait déjà abandonné, enfin, c'était plus en F1.
Ah là là, non! Bon bah ça aurait été une course sans, hein. Je vois pas quoi dire de plus. Dernier tour, c'était que pour finir. Bon, ben c'était l'élimination, hein. Qu'est-ce que je vous dise? On est dernier. Juste dernier, quoi. Il y a une 24. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu la course de Ralf Schumacher, Michael Schumacher 3ème, 4ème, Coulthard 5ème, Rampo Montoya 6ème, Raikkonen. Et Mika Solo 9ème, pas mal. Et du coup, au classement pilote, on a plus que 6 points d'avance sur son Michael Schumacher. Et championnat constructeur Williams qui revient assez vite. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve donc pour la manche 15. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.